niveau des étapes, d'abord il y a eu une restructuration, hein. C'est de notoriété dans le métier. Restructuration, ça veut dire réorganisation, réorganisation à tous les niveaux, au niveau des équipes. Un déploiement sur le terrain qui a été un petit peu concentré pendant un certain temps. Concentration également au niveau des équipes dans les différents départements. Réorganisation de la logistique. On a aujourd'hui des entrepôts à Lyon avec une vision sur la rotation des stocks différentes, une concentration des gammes de façon à être beaucoup plus efficace, à ne plus avoir la moindre rupture et à apporter une fluidité et à se servir de la proximité européenne de nos productions pour donner une fluidité totale à nos clients. Donc cette phase de restructuration nous a permis de ramener, je dirais, Gorenje dans une gestion vertueuse de sa distribution. Aujourd'hui, on repasse en phase, je dirais, d'embauche dans certains créneaux bien choisis. En matière de représentation territoriale, nous complétons maintenant notre carte au niveau des représentants. Il y a deux personnes qui vont rentrer dans la société à partir du mois de septembre. Voilà, en termes de produits, on lance une nouvelle plateforme d'encastrable avec des fours, toute une nouvelle gamme de fours, avec des superbes hottes que vous voyez derrière nous, avec des gammes de plaques à induction. Donc toute une gamme d'encastrables. Et les fours également, donc, avec de multiples nouveautés au niveau de l'utilisation, de la facilité d'utilisation et puis aussi de la santé. Parce que c'est un point sur lequel Gorenje se bat depuis quelques années, par exemple avec tout le système ionisation qui est présent aussi bien dans nos sèches-linges que dans nos réfrigérateurs, qu'aussi dans notre système aspiration, afin donc justement d'essayer de trouver les meilleurs moyens pour conserver les aliments le plus longtemps possible dans notre famille de froid et aussi purifier l'air et être dans un environnement très sain. Et en froid également, puisqu'on lance le Convert Active, qui est un réfrigérateur très innovant. Innovant par le Vita, par la lumière qui permet la conservation des aliments de façon optimisée. Et puis surtout la possibilité dans la partie basse de transformer sur une simple touche la partie congélation en réfrigération en fonction des besoins ou vice-versa.